Bienvenue à tous. Bien content de vous retrouver pour la suite de cette aventure dans le circuit Superstar. Aujourd'hui, on va faire premièrement le Rallycross World Series. On va commencer par ça. On va voir le circuit de Tilksport, 5 tours, Buffalo Hills, 5 tours, Hunter State, 5 tours, et Lost Lagoon, qu'on n'a pas fait encore, avec 5 tours aussi. On va y aller en coupe amateur, toujours on va y aller avec la voiture Vost. On a fait une livrée originale qui va avec les couleurs de la chaîne. Chaîne donc, si vous êtes nouveau sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien manquer du contenu. Nous voici sur le circuit de Tilksport, 3, 2, 1, et c'est parti. Nous sommes dans la voiture Vost numéro 83, de couleur verte, belle livrée en passant. Ok, on a une petite portion de terre ici. On va refaire un tour là, pour... On n'a pas de qualification dans cette épreuve-là. Oh, le petit saut que là. La dernière fois qu'on a fait cette épreuve-là, c'était en Super Truck. Des camions, je crois. Si je ne dis pas n'importe quoi. Ok, j'ai pris la première place, ça va bien. Petit véhicule polyvalent. Petit véhicule de rallye, on pourrait dire. Oh, on passe par-dessus le pneu ici. On voit ça vraiment la différence dans les portions de terre au niveau de l'adhérence. Une bonne différence pour la conduite. Nous attendons maintenant le quatrième tour de piste. Ça va bien. Pas fait de faute jusqu'à présent. Pas de faute majeure en tout cas. On va un petit peu plus vite ici, on appuie. Et c'est reparti. Youhou! On saute. Hop là. Dernier tour de piste. Donc mon meilleur chrono sur ce circuit est de 31 secondes 172. C'est un tour très rapide à faire là. On a fait un meilleur temps encore dans le dernier tour, donc ça me donne une première place pour la première course de ce petit championnat de 4 courses, et on a déverrouillé un succès pro du volant. Gagné 50 courses dans n'importe quel mode. Donc, on a déjà fait 50 courses, c'est surprenant. Passons maintenant à la course suivante. Buffalo Hill en Rallycross World Series. On a fait ce circuit-là pour la première fois avec les Super Truck. Maintenant, on y va avec la voiture Vost. 5 tours à faire et c'est parti. Oh, on dérape ici un petit peu. J'aime bien ce saut. Très plaisant à faire. Personne t'a rebattu ici. Oh. Un tour de fait. Il y a un chrono de 34 secondes 451. Je vais essayer de
pas trop déraper là. Sur la terre battue, c'est un petit peu plus glissant. Oh! Accrocher le poteau. Nous approchons du saut. Youhou! Il me reste seulement deux tours à compléter. Meilleur chrono jusqu'à présent est de 33 807. Sur ce circuit de Buffalo Hill en rallycross. Dernier tour de piste. Faites encore un meilleur chrono. 32,655. J'aime bien la livrée que j'ai fait sur ma voiture de rallye. Beau vert là, de couleur vive. Ligne d'arrivée tout près, j'arrive. Première place sur le circuit de Buffalo Hill. Donc, ça me donne un total de 42 points. Et on avance encore d'un niveau, on est rendu au 17 maintenant. Ok, nous voici sur Interstate Rallycross World Series. On va avoir un paysage de canyon avec le petit train juste ici à droite là, qui est vraiment fabuleux. C'est parti! On a beaucoup de petits virages là, embêtants sur ce circuit, entre autres celui-ci, avec les cailloux là, qui... Il bloque les passages pour les éviter. Pour ne pas avoir d'accident. Il y a une petite rivière qui passe en dessous là. C'est de toute beauté. Oh play. Dérapez un petit peu. Le petit train qui passe là. Un petit train style Far West, un petit train à vapeur. Je l'adore. On a bien fait de mettre une clôture ici parce qu'on a quand même un ravin assez imposant. Aïe! Les rochers, attention! Hop là! Aïe aïe aïe! Oui, il nous reste deux tours à faire! Ça va bien. Ouh. J'ai eu peur. J'étais sûr d'avoir frappé le muret.
Ah, un petit tête à queue ici, allez, 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 redémarre, redémarre. Une petite avance, on s'inquiète, peut m'aider là. On a le train qui passe au même moment, mais c'est vraiment génial. Bye bye. Dernier tour de piste maintenant. Dans Interstate en rallycross avec la voiture Vost. Une petite livrée verte que j'ai fait d'avance, numéro 83. Beau petit bolide. Dernier virage. Ligne d'arrivée, j'arrive. Et oui, c'est réussi. On entend les rails du train. 63 points au total. Nous enchaînons maintenant avec un nouveau circuit de Lost Lagoons en Rallycross World Series. Circuit que je n'ai jamais fait et... Oh, on a beaucoup de virages là-dedans. C'est parti, bonne chance à tous. Voyons voir comment ce circuit est conçu. De quoi est composé ce circuit? On a un saut ici. Oh, palaï! Aïe, aïe! Oh, palaï, ça saute pas mal. C'est un autre saut. Oh, des sauts là, ici et là. Un petit petite bordure de pierre, un autre saut là, hop là. Oh, on a un petit virage en pente, hop là. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Oh, quel circuit, mes amis là. Aïe aïe aïe. On va faire un tour dans les bois. Oh, 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 mais qu'est-ce que c'est que ce circuit? Ce sera pas facile, là. Très beau circuit quand même, là. Difficile, mais très beau. Premier saut ici. On en a quelques-uns d'affilée. Puis entre autres, un autre. On a un beau petit lac en bordure de la piste. Oh, palais! Pas évident ici. Il faut se prendre pas mal de là. Oh! Oh! J'ai fait une vrille, mesdames, messieurs! J'ai fait une vrille, comment j'ai bien pu faire ça? Je ne savais pas qu'on peut faire de vrille avec. Et voici le circuit Superstar. Aïe, aïe, aïe! Ça vaut vraiment pas bien là. Je suis en queue de peloton. Oh, oh. C'est la catastrophe. C'est difficile ce circuit là. C'est le plus dur que j'ai fait jusqu'à présent là. Dans ce jeu. Bon, moi ici, j'ai pas foutu trop le bordel. Oh, pareil, on essaie de passer entre les voitures, sinon on va se faire cogner. Trois tours de compléter. Ou presque. Il me reste deux tours à faire. Je suis en 10e place. C'est de loin ma pire performance dans ce jeu jusqu'à présent. Donc, à partir de même, je n'ai qu'à suivre les clôtures. Là. Oh, encore une fois, j'ai parti un petit peu là
Déjà beaucoup de première place là jusqu'à présent. Oh, attention! Je laisserai pas passer. C'est vraiment pas évident là. On a la terre partout sur le circuit. On n'a aucune portion de bitume, là, rien de ça. Quand le véhicule saute, là, c'est pas évident parce qu'il a tendance à vouloir aller d'un bas puis de l'autre. Il faut aller tranquillement. Surtout ici, là, c'est pas évident. On saute un petit peu, mais juste. Ici, là, ça monte. C'est vraiment cool. C'est pas évident à prendre, mais c'est vraiment cool. Attention, ouf. Voilà, je suis rendu en 7e position quand même. J'ai pu me reprendre. Je vais essayer de ne pas faire de gaffe jusqu'à la toute fin. Là. Un virage ou deux. Ouf. Circuit pas évident là. Et en plus, je suis en difficulté amateur. Je ne veux pas voir ce que c'est en difficulté expert ou intermédiaire, je ne me rappelle plus. Pilote versatile. Rallycross World Series gagné. Dans n'importe quelle difficulté. Ça me donne quand même la première place. Ouf, ça a été difficile ce dernier circuit de Lost Lagoon. Donc maintenant on y va avec ça, c'est la Stock Car Cup. Il va y avoir les nouveaux circuits qu'on n'a pas fait encore. Là. Toujours dans la série, dans la difficulté amateur, on va voir le circuit de Bull Eyes, Speedway, Sugar Hill en Grand Prix, Thunder Point et Speedopolis. 8 tours pour chaque circuit. On va y aller avec la 83 verte de Stock Car. Bull Eyes, Speedway, Stock Car Cup. Donc on va avoir un tour de qualification. C'est un circuit en ovale. On n'a jamais fait de circuit en ovale jusqu'à présent. Qualification démarrée. C'est terminé en 16 secondes 482. Est-ce que ça va être bon pour la première place? Oui, ça me donne la première place. La voiture s'appelle Impact. Un succès, donc pionnier. Pour une position réalisée dans 10 courses dans n'importe quel mode de jeu. Ok, c'est bon. Maintenant, nous sommes prêts pour la course officielle à Bull Eyes Speedway, circuit en ovale. Je suis dans la voiture verte Impact, arborant le numéro 83. Et c'est parti, mes amis. Bonne course à tous. On a 8 tours à faire. On a évidemment une jauge là, de santé de véhicule, d'essence et l'état des pneus. On va vérifier de près. Deuxième tour. On entend mon troisième tour, ça va très vite là, on a un circuit ovale là, en stock car. Voiture un petit peu là, de NASCAR, comme on pourrait le dire. Cinq tours à faire. Je suis en train de tranquillement rattraper les retards de la terre.
Donc c'est un circuit assez simple à faire là. Je crois bien que ça va être un Grand Prix assez simple à réaliser dans les autres difficultés. Il reste seulement deux tours. Pour les jauges là, d'essence et pour les pneus, on n'a pas besoin de s'en préoccuper. On n'aura pas assez de tours à compléter pour aller au puits. Maintenant, dernier tour de piste. La voiture numéro 83, aux couleurs vertes, noires et blanches, est en première position. Nous sommes dans le dernier tour. Le drapeau à Damien Brady. Et c'est une victoire pour la 83. Beau circuit facile, le fun à faire, facile aussi là. On a presque dépassé le niveau 17. Bon, maintenant voici en Sugar Hill en Stock Car Cup. Sugar Hill on a fait plusieurs fois là. Ce sera pas une surprise pour personne. On va avoir un tour de qualification à faire. C'est parti. On fait un tour pour chauffer la bagnole. Et ensuite, on va faire le meilleur chrono qui soit pour avoir la meilleure place. On va commencer le chrono maintenant. Le timer est parti, toutes les voitures devront faire leur meilleur temps. Ok, temps de 25-969 pour la 83. Voyons voir ce que ça donne au classement. Dans les résultats. Donc, ça me donne encore une première place. Je vais mettre dans au niveau 18. Bienvenue au circuit de Sugar Hill en Stock Car pour la deuxième course de ce Grand Prix de 4 courses. C'est parti! Bonne chance à tous! J'ai dépassé un petit peu ici. Allez, tassez-vous devant, j'arrive. Ah, sur la ligne droite, je devrais être bon pour combler mon retard sur le numéro 25. Vraiment un beau son de moteur là, pour la voiture Impact. Pour les voitures de Stock Car dans le jeu Circuit Superstar. On a 8 tours à faire sur le circuit de Sugar Hill. On était habitué d'en faire 5 ou 7, mais là on en a 8. Je vous rappelle qu'on est dans les difficultés amateurs. On a 4 niveaux plus haut. On peut jouer.
reste 4 tours de piste. On va jeter un œil à la jauge à gauche pour être sûr que mon véhicule soit en santé. J'aime bien la conduite des véhicules stock car. Là. Ça conduit bien. Pas trop vite, c'est juste correct. Une bonne adhérence malgré tout. Faut dire que c'est pas les véhicules les plus agiles non plus. Là. En tout cas, qu'on parle d'un circuit comme celui-là. Sur un ovale, il n'y a pas de problème, mais. Par exemple, Sugar Hill, il n'est pas un circuit très difficile. Faut se méfier dans les virages. On ne peut pas y aller aussi vite qu'à l'habitude. Avec des véhicules plus petits. Bon, on tombe dans le dernier tour de piste. C'est fini! Je suis fier de ma performance. Donc maintenant, on est rendu à 44 points. Nous voici maintenant sur le circuit de Thunder Point en stock car. Course de qualification. Et c'est parti. On va faire un tour d'échauffement. Avant de faire le chrono. J'allais faire un tour à la pelouse. Oh là là! J'ai pris ce cours ici. Bon. Le tour de réflexion est maintenant démarré. Je vais essayer de mieux faire. J'allais dans la pelouse quelques fois là jusqu'à en tour de l'échauffement. Pénalité ici. On va m'enlever 1 seconde 50. Sur le montant original. Donc ça me donne la 4e place, je crois. Commencer la course. Nous y voici à cette course de Thunder Point. On a eu 8 tours à compléter. Circuit que je trouve quand même difficile malgré tout. Les virages me donnent un petit peu de fil à retordre. Je me suis faufilé derrière la voiture numéro 25.
Oui, cette fois-ci, j'ai pu prendre la première place. Oh! J'ai quand même perdu un petit peu le contrôle là, en faisant le. En passant par-dessus la vague. Je perds un petit peu le contrôle. Là. Un petit peu ici. Troisième tour. C'est un circuit que j'ai pas hâte d'essayer en difficulté là, élevée. Faut voir que je me pratique quelques fois là, pour bien maîtriser ce circuit. Évidemment, je crois que pour réussir tout. Oh merde. Tous les trophées, il serait plus facile, j'imagine, de commencer vraiment par un circuit, par toutes les courses qu'on a à faire dedans. Si on peut, même, je ne crois pas qu'on puisse faire ça. Mais bon. La meilleure chose, ce serait de vraiment aller dans la section s'entraîner pour s'exercer sur chaque circuit avec plusieurs types de voitures. Évidemment aussi, le type de voiture change beaucoup, beaucoup la conduite. Donc pour le même circuit, on n'a pas les mêmes habiletés avec une voiture ou l'autre. Bon, mais j'ai quand même pris l'avance. Est-ce que je vais devoir aller au plus? J'espère ne pas devoir y aller parce que j'ai déjà pas à l'aise sur le circuit. Faut dire que l'équipe de Puy fait un travail exceptionnel là. Vraiment, ils font ça très rapidement. On perd pas de temps là au stand. Non, pas là. Je me trompe tout le temps. Bon, j'ai tout mis les comptes sur la route, là. Sixième tour. Bon, on a une alerte. Qu'est-ce que c'est que ça? On m'avertit, là, pour le niveau de carburant. Avec un panneau triangulaire jaune. Je vais aller tout de suite au puits. Pour être sûr, j'ai quand même de l'avance. Où est mon équipe? Ici. Allez, 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 allez. Quel travail au puits, là. Pris une dizaine de secondes à peine et je suis reparti. Toujours en première place. Le véhicule est maintenant au top. Et le véhicule est au taquet. Oh, un petit peu de pelouse ici. Un petit peu de tonte experte.
notamment le dernier tour de piste. C'est le stock car. Donc l'arrêt au puits là, au total, ça nous a pris 12 secondes, 557. Pas mal à l'entrée, à la sortie du puits, pour reprendre la piste. Avec les changements qu'on a apportés à la voiture. Donc la Grand Prix Stock Car est quand même plus long. Faut dire qu'on a 8 tours à faire sur chaque circuit. En plus des arrêts... Oh, c'est fini! J'ai fini la course là en faisant de la tonte experte. J'ai tondu un petit peu là, l'herbe là, qui nuisait sur le côté. Donc ça me donne un total de 65 points. Mètres parcourus, ça me donne 9676. Il va nous rester une course, c'est le Speedopolis Stock Car Cup. Course de qualification. Oui, on a une course un petit peu genre ovale, mais un petit peu plus en carré. Go! C'est parti, on a démarré le chrono. $17,977. Qu'est-ce que ça dit au classement? Voyons voir. Ça me donne la première place. Presque 3 secondes d'avance. Et maintenant, on va passer à la course. Speedopolis en stock car. 8 tours à faire comme les autres courses. Et c'est parti. Donc, les amis, je viens de remarquer un truc. En faisant la course de qualification, j'ai vu que. Dans les estrades, il y avait presque personne. Il y avait quelques petits personnages. Mais en commençant la course, là, on voit que les estrades sont pleins. Beaucoup plus de monde présent, évidemment. Là. Une petite particularité que j'ai remarquée. C'est quand même bien pensé. Troisième tour de piste. Il nous reste maintenant 4 tours de piste. Aïe aïe. Non, je suis en train de rattraper les retards de terre. 6e tour de piste. Il ne reste seulement que 2. Donc ça va très bien là. Je rattrape même les autres voitures là. On va avoir un tour d'avance. Là. Le drapeau d'amis est brandi pour moi, j'arrive.
Puis c'est terminé. Une première place. Sur ce circuit de Speedopolis. Ce qui me fait maintenant un total de 87 points. Et ce qui me donne la victoire de ce championnat Stock Car. Donc, eh bien, mes amis, c'est la fin de cet épisode avec les courses de Stock Car. J'espère que vous a plu. Ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir été là. Et on se dit à la prochaine pour la suite de cette aventure. Bye bye.